Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert avec le Cygne Noir. Coucou. Hello, hello tout le monde. On fait des intros super originales à chaque fois. Hein, c'est... Oh bah écoute. Hein. C'est ça, on s'en fout. Vous en foutez de l'intro, ce qui vous intéresse, c'est le jeu. Et bah vous l'avez sous les yeux. C'est ça. C'est du sang, vous allez en avoir. Je sais qu'à mon avis tout le monde attend, mais quand est-ce qu'il déclenche la guerre immense contre l'Espagne? Ça viendra. Bon, on s'ennuie. Non, attends, déjà là, on va s'occuper de rebelles un peu pour changer. Ah oui, bah j'y serais bien allé, mais c'est vrai que je suis tout en bas. Bah écoute, si je peux débarquer chez toi, déjà, ce sera pas mal. Devrais pouvoir. Alors, on a une autre rébellion qui a pété, où ça? Droit de douane sur la laine. Bon, on va laisser un peu tranquille la Malouisiane là, ils commencent à gueuler un peu les colonies, on taxe suffisamment. Ah putain, ouais, ça se rebelle partout, va falloir les aider là. Ils s'en sortent plus là. Allez hop, c'est parti, on va là-bas. En avant. Ça c'est bon. Les Hurons. Pourquoi ils s'en occupent pas les grands territoires de leur rébellion là? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est feignant. Ah non mais je sais pas, ils ont 20 000 hommes là sur place et ils glandent. Alors qu'ils ont déjà pris 3 provinces chez eux quoi. Va peut-être falloir se bouger. N'est-ce pas? En speed quoi, vite fait, comme ça, par exemple. Allez, on attend. Ouah putain, révolte sur révolte là. On attend un petit mois histoire d'être full moral. Puis on les défonce. Il va falloir que j'envoie plus de troupes au Nouveau Monde. Hein. Des amis dans le besoin. Alors attends, qu'est-ce qu'ils veulent, Portugal? Des hommes valides seront envoyés au Portugal. Là. Ok, et sinon, on n'aime pas le Portugal, non, oui, 5000 hommes au Portugal, écoute, pour l'instant c'est notre dernier allié, on va d'abord s'occuper de la... Oh putain, on a trop de points. On va claquer de l'absolutisme, bam, renforcer le gouvernement, voilà, ça remonte un peu la légitimité, parfait. Les points de mine, on est à combien de stables? On est à 3, zut. On est à 90 ici, on va certainement pas s'en servir pour ça. Putain, je suis loin de... Ça y est, j'ai une province qui a adopté... Ah oui, t'as toujours pas la... Tu veux qu'on fasse un partage de connaissances peut-être? Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, j'avais tellement oublié. Je te le propose. Ah putain, par contre tu vas me payer 12 par mois, hein, donc je te le propose, mais vérifie que tu peux te le permettre. Ouais, à... je suis à 45 par mois, vas-y, ça va le faire. Ah bah écoute, dans ce cas-là, je le ferai gratos si je pouvais, mais je ne non, peux pas. Non mais tu peux pas. Ouais, malheureusement... Puis je te dois bien ça pour les super bateaux que je t'avais vendus. C'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié cette petite arnaque. Non. On va faire des chantiers navaux tout là, comme ça j'arrêterai d'y penser. Bam. Et puis qu'est-ce qu'on a? Une garnison, augmentation des réserves militaires, un bâtiment officiel. C'est un peu de la merde. Un bureau de recrutement, des marins, des remparts ou des manufactures. 2250 de réserves militaires en plus, on prend. Bon bah du coup je vais mettre des troupes en position du côté de la Franche-Comté, je sais pas trop si ce sera utile mais puisqu'elles sont là en tant qu'elles servent. Ah non mais il va falloir faire quelque chose là. Est-ce qu'on est capable de les écraser sans commandant? Je sais pas s'ils ont la... Ah non, ils ont pas la tech qui va avec leur niveau, ah si ça va. Ah putain. Il y a au moins 5 ou 6 révoltes là dans les flammes de Chobiti quoi. Ça part complètement en couille, il va nous falloir un commandant. Hein. Oh là là, la vache.
Ouais, Terra Papillote, occupe-toi de nettoyer un peu tout ça là. Nous, on va récupérer un mec qui s'entraîne. Tiens, bah un conquistador, c'est parfait ça. Les séparatistes en Arizona, putain le bordel quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont rentrés dans leur bateau et maintenant ils débarquent. Ok, pourquoi pas. Ah bah il va assiéger la Nouvelle-Espagne, mais vas-y, fais-toi plaisir. J'ai envie de te dire. Il y a plein de gens qui me demandent des... Ouais non, tu viens pas chez moi. Ah, Allez. l'Espagne qui est en guerre contre le Maroc et tout apparemment. Ah. Ouais. Guerre Attaquant face... d'agression. Ouais, il attaque le Maroc. Ouais. Ouais, sans Ça grande va en dire. surprise. Pas vraiment de surprise, non. Allez, plus beaucoup de points là, encore un mois ou deux et c'est bon, on va pouvoir se jeter sur les États pontificaux. L'Espagne ne rejoindrait pas, Bologne ne rejoindrait pas. Donc pas vraiment pas beaucoup de monde en face. Bon, bah on va pas pouvoir les gérer, c'est dommage. On a des points, on prend de la thune. Ok, ici c'est géré. On repart là-bas, en avant. On a besoin de se débrouiller. Le trait avec Autriche a expiré. Alors attends, ouais, mais du coup, là, ça va Alors, être les juste. étapes pontificaux. Attends, Vas-y, vas-y, attends, attends. vas-y. Juste Non, avant. vas-y, 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 vas-y. J'ai déjà un embargo. Ouais. Je voulais vérifier que j'avais un embargo sur. Sur l'Autriche. C'est bon. J'ai un embargo sur l'Autriche, la Russie et le Ming. Pas de problème. J'ai bien que trois rivaux. Ah, c'est vrai que l'Espagne m'avait rivalisé. J'avais oublié, tiens. Non, bah écoute, c'est bon. Vas-y. Je me suis foutu en Franche-Comté. Il y a peut-être un endroit où je serais plus utile. Je sais pas qui c'est qui va venir. Bah, l'Espagne ne rejoindrait pas parce qu'il a toujours 12 000 de dettes. Bologne ne rejoindra pas. Il y aura Naples et Salus. Donc Salus, bah pour le coup, ça va être Ok. direct, direct, voilà. Et Naples, ils sont où déjà? Ah, mais c'est cette crotte violette là? Ah Ah ouais, oui. c'est la petite merde là. Mais je vais, du coup, je suis en train de regrouper mes flottes et je vais pointer avec mes D'accord. bateaux de T'empêche pas que transport, je du coup. déclenche la guerre maintenant quand même, parce qu'il y a un ennemi en moins. Je pense que Ouais, ça vas-y, devrait vas-y, aller. fonce, fonce. Alors, on va prendre. Donc, au total, de toute façon, on a des revendications sur 6 des 7 territoires. Gênes en a 3. Moi, j'en ai 3. Il y a moyen de le bouffer, je pense. Hein, à cet Ah oui, endroit-là. Hein. Le renvoyer effectivement. dans la botte, en tout cas. C'est ça. Le renvoyer dans la botte, comme c'est bien dit. N'est-ce pas? Alors, eh ben. C'est parti, et puis je me jette direct sur les territoires, comme ça au moins. C'est parti, mon kiki. Je pense que t'as largement le temps de faire le tour. Hein. Ouais, Bon, Gênes va se faire éclater direct, hein, ça par contre, voilà. C'est j'amène fait la stack wipe. flotte. Boum. Ouais, bah, on peut pas. Non, Ah, mais bon. 12 000 hommes quand même, ça lui sent. Est-ce que j'ai un petit amiral à tout hasard que je pourrais Bah, c'est pour ça prendre? que les 3 000 de Gênes faisaient pas le poids, quoi. Allez, on va prendre un amiral. Ça fera pas de mal. Ernest Augustus Bedford. Très bien. Je précise que je ne choisis pas le nom. Précision importante. Bah écoute, toi, continue donc de t'entraîner. Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre une tech. Ah ouais, on a encore trop de points quoi. Oh, Ah, t'as attends. tes 30 000 hommes qui sont à Narbonne. Remarque, tu me diras, je sais pas trop où ils peuvent aller ailleurs. Bah ouais, j'étais en train de ramener les bateaux de l'autre côté. En fait, je vais faire débarquer genre sur Ah oui. Rome ou un truc du Ouais. style. C'est pas mal. Ça peut être pas mal dans le genre. Je développe un truc en speed, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on T'en peut prie. développer? Là, on est à 20, on est à 22 à l'Océan. Allez, boum, 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 voilà. Passe ça à 10. Un comme ça, un comme ça. Allez, voilà, l'Océan est à 30. Les bateaux arrivent doucement, ils arrivent réparés, parce que après tout, on n'est pas là pour se faire chier. Bah non. Ah putain, par contre, ça pète encore plus dans les colonies. On est arrivé. Allez, go, on va se les faire. L'Espagne est en train de nous enfermer et ça me fait chier. Ouais,
ça va être compliqué là de grossir. Alors, tu feras gaffe quand même. Bon, je pense que t'as ramené combien de bateaux? Apparemment, il y a 39 bateaux. Ils ont 39 bateaux quand même, les états pontificaux. Des vrais bateaux ou... Alors ça, je ne le sais pas. Je viens de le regarder, tu sais, dans le... dans les batailles, de quand tu cliques en bas sur le score de guerre. Ah oui, bah attends, on va regarder militaire. Mais j'ai pas regardé plus. Flotte nationale des ennemis. Les états pontificaux, ils ont 0 navires lourds, 12 navires légers, 28 galères. Ah oui, 28 galères, ça peut faire mal dans la Méditerranée par contre. C'est pour ça que je te le dis, je viens de le voir. Enfin, j'avais pas vu le détail, mais... Alors après, si tu veux, je peux ramener... Non, mais bah bon, écoute... j'ai que des bateaux de commerce, moi. Ouais, non, je vais ramener mes 25 galions qui faisaient du... qui faisait de la chasse aux pirates là. Ça ouais, devrait les calmer. Pas surprendre, quoi. Alors ici c'est quoi anglican? Ah mais ils sont pas anglicans eux. Attends, hop 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 hop, les 119 colonies là. Fouteriez pas un peu de ma gueule? Rembourser la dette, oui on rembourse la dette, y a pas de problème. Par contre on impose la religion. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens mais c'est pas grave. Dis donc. Imposer la religion, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok, tout le monde est bien comme il faut. Donc ta capitale est déjà anglicane, c'est pas un souci. Ici c'est anglican. Ah, ici c'est catholique, ici. Allez, boum. C'est bien positif. Ah putain, non, c'est pas positif. Ok, donc on va aller s'occuper de convertir Calais pour la peine. Ici, je crois que normalement on est positif. 1-5, c'est pas fou, mais ça fera le taf. Voilà. Reprenons. On attend nos bateaux. Les flammes de Chobiti ont été converties, c'est parfait. On va convertir un autre truc. Oh là 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 là. Mais elle a combien de surexpansion? J'ai moins de savoir là. Moins 58 de prestige. Les flammes de Chobiti. Je peux enlever la pause ou pas? Parce que c'était juste une pause courte. Ouais, la base. Attends, je clique pour envoyer un missionnaire. Et c'est parti, vas-y. On s'occupe des petits rebelles. Voilà, ça c'est fait. On s'occupe d'eux dans la foulée. Parce qu'on n'est pas là pour se faire chier. Allez, boum. Défoncez-les, merci, au revoir. Ouh, c'est tendu. Qu'est-ce qui se passe? Corruption. Un en corruption, perte de 25 points de réforme gouvernementale. Ouais, on s'en fout complètement. Boum, hop là. Rien à brer, comme dirait l'autre. On n'a pas toujours, on a toujours pas de droit de passage là. Allez, Nouvelle-Espagne, un petit droit de passage, non? Tu veux pas? Tu veux pas? T'as pas envie? Nous aime pas peut-être. On va commencer à draguer les colonies de nos chers espagnols. Ça me paraît plutôt bien dans l'idée. Alors, ici on fait le siège, donc là nos bateaux sont arrivés, on va embarquer comme des gros sacs et on est parti pour Rome. C'est parti. Je pense que même avec 28 galères, il devrait galérer un peu à me faire tomber. Hein. Ah bah en plus il est là, il est rangé dans ses, il est rangé à Rome avec ses bateaux. Tu veux peut-être qu'on passe en vitesse 2 d'ailleurs. C'est que je me rends compte que je suis en train de me prendre du monde dans la gueule là. Ouais, je pense que tu peux bouger tes 16 000 hommes qui font le siège de Salus là. Bah écoute, je détache notre armée s'il faut. Hein. Ça suffit. Non, mais c'est juste qu'ils m'ont un peu surpris. Je devrais pouvoir inverser le cours du truc, j'espère. C'est bon, ils ont fui. J'ai vu passer le enthousiaste de guerre fort à moyen. On va débarquer sur la capitale comme des gros sacs, voilà, parfait. On a des points, on fait une petite canonnade. Allez, boum. Ouais, voilà, je crois 0%. Que je vais faire pareil là. Hop, pour accélérer le siège qui est... On va se faire chier, voilà. Alors la bataille navale risque d'être brutale par contre. Hein. Parce que 24 galères, 28 galères, ils ont 11 navires lourds quand même. 12 navires lourds.
Ça va piquer un peu. Ah, il y a une armée qui m'est tombée dessus. Ah, ça devait être un truc qui se repliait. Bon bah, stack wipe. Encore un cabinet des curiosités. 200 ducats. Oui, on prend le cabinet de curiosités. Bon, j'ai vu passer une petite armée des états pontificaux qui se repliait vers Naples. Alors elle revient vers toi visiblement. 19 000 hommes, enfin 20 000 hommes qui remontent vers toi. Ah. Ils sont passés à côté de moi en train d'assiéger leur capitale sans stress. Alors je sais pas quel est l'état de leur flotte, mais à mon avis on a Par moyen de contre, perdre cette flotte, hein, cette bataille. Hein. c'est abusé parce que j'ai fait un misclick et en fait j'ai tout de suite annulé et du coup j'avais fait une canonnade, j'avais pété les murs, mais les murs ils sont re-intacts. C'est un petit peu abusé ça quand même. Ça devrait rester au moins un mois comme ça, tu vois, ou un truc du genre. Parce que là Ouais, c'est un genre peu. ils aient le temps de réparer les murs, quoi. Enfin, un truc un peu. Ouais, parce que là c'est genre, j'ai mis le clic, j'ai remis, et hop, ça y est, bah, les murs ils sont construits. Bah chier, comment vous faites les gars? Oups. Bon, c'est pas grave, hein, mais. Alors ici, ça devrait être bientôt suffisant. On va aller s'occuper de couper l'herbe. Alors ici, on a déjà quelqu'un qui vient. Hop, excuse-moi, j'envoie mes colons pour couper l'herbe sous le pied de l'Espagnol si on peut. D'ailleurs, on va plutôt l'envoyer ici. C'est un peu de la merde, mais au moins on aura ce bout-là. Ok. Voilà. Putain, il va nous falloir plus d'hommes dans les colonies. Hein. Le siège de Rome est tombé, attention, la bataille navale. Quoi? Déjà? Il a fui? Ah non, il en a dû one shot un bateau. Oh, ok, ils ont des bateaux de merde, pas améliorés. Bon, ça On va va. donc les défoncer. Oh là là, on a tellement rien pris. Je sais pas si tu vois la bataille navale. Je la vois pas dans le détail, mais je regardais les chiffres. Ouais, bah t'es impeccable et lui il a pris cher quoi. J'avais de l'attrition et j'ai rien pris quoi. Et en plus, notre commandant gagne chercheur de trophées. 20% de chance de capturer les navires ennemis, on a capturé 2-3 bateaux. 3 bateaux ennemis, 2 vaisseaux légers et une galère. Bon bah, c'est la tôle. Y a pas d'autre mot. On va donc se répandre pour aller piller le pays. Hop, hop. Alors on va faire attention qu'il revienne pas avec ses 20 000 hommes quand même. Quoi qu'on va rester là, je suis con. Parce que du coup, on va faire ressortir ces bateaux, donc on a bien moyen de les capturer. Et après, on ira s'occuper de Naples. Bon, de toute façon, avec sa capitale tombée, je pense qu'il va pas faire le malin longtemps. Et puis ça, c'est tellement plaisant. On a pris une province, on fait le blocus de tout le reste, et on se répare en même temps, quoi. Pas de stress. Cool. Non, c'est très J'aime cool. cette doctrine. Je kiffe cette doctrine, franchement. Hein, je l'ai déjà dit, mais... J'ai dit que je kiffais cette doctrine ou pas? Non. Ah, j'étais pas sûr. Allez, les bateaux y ressortent. Coucou! Allez, gimme, gimme. Oh oui, 4 bateaux supplémentaires, c'est beau. Allez hop, on est parti. On va à Naples. Il va se replier là-bas. On va donc bien se faire plaisir à aller le chercher. On va lui capturer tous ses bateaux. Des petits sièges chez moi, mais je le laisse faire pour le moment. Ah, notre conquistador est mort. Merde. C'était notre général dans le coin, je crois, en plus. Hein. Ici, là. Ouais. On va en prendre un autre. Octavius. Bon, t'as un nom de merde, mais tu feras le taf. Nos ports sont sous blocus. Non. Je ne crois pas, non. Je suis même intimement convaincu qu'absolument pas. Après, je t'envoie les bateaux pour dessiéger Gênes, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Oh, les sièges, c'est toi qui avance pas, quoi. Ah, il a pété les murs au Poitou, le petit salaud. Ouais, j'irai bientôt lui faire un coucou.
Où est-ce qu'il s'est réfugié le... Ils sont pas là ces bateaux? Il s'est réfugié où? Ok, mais je sais pas où sont partis les bateaux de... De l'ami pontifical. Ah, il a un petit territoire tout pourri là-bas, j'avais pas vu. Bon, on va le chercher. Dis donc. Il a Frioul, les états pontificaux. Qu'est-ce que tu dis donc que ça? Attends, Venise est... juste que j'ai des tonnes de trucs là qui me gavent en événement. Si vous permettez. Vas-y, vas-y. Du coup, je vais garder les bateaux un peu plus longtemps parce qu'il faut que j'aille chercher Frioul. Ah oui, il s'est tellement fait Ouais. défoncer. Bah pendant que tu es en pause, je vais recruter quelques bateaux. Parce que j'ai beaucoup de points en plus, donc forcément faut que je les dépense. Donc j'améliore un peu plein de trucs. On va prendre 9 pour compléter ces 21 là, ça sera parfait. Voilà. On débarque quand là? Nanana, non, c'est l'armée que je voudrais moi. Vous voyez, l'armée arrivera ensuite le 18 juin. On est le 17, non, c'est pas vrai. Que demander de plus? Tu me dis que tu développes des trucs. Pourquoi pas? Tiens, le Gloucester. Boum. 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 Est-ce que je peux enlever la... Ah non, 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 attends, 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 j'ai droit à une politique gratuite. Coût du développement moins 10, ah bah c'est con, je viens de le faire. Modif de production plus 20. Modification de limite terrestre plus 10%. Allez, on va faire un peu de troupes, ça On va changera. faire la modification de production. J'avais pas adopté la loi sur le blasphème, bah oui, je vais le faire. Puissance des missionnaires plus 1. Quand même. Bah voyons. Et puis quand on peut Bah dis blasphémer donc. la foi anglicane? Scandale! Mais oui. Scandale! Et la loi sur les conticules, puissance des missionnaires plus 1. Bah oui, carrément. Putain, si j'avais su ça, j'aurais fait beaucoup tout ça plus tôt. Et ben, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Allez, let's go. On va aller s'occuper de Frioul. Par contre, j'ai l'impression que ces bateaux sont pas là. Ah si, ces bateaux sont là. Oh, ils se sont remis. Oh, c'est trop mignon. Coucou! Eh oui, c'est ma flotte. Et ça, c'est mon armée. Mais Prof oui, de État paix de la part de Pontifico. Naples. Ah bah, Lol. il est... Ouais, il est à poil, Naples. J'ai capturé 8 de ses 10 bateaux, les deux autres ont coulé, et j'ai pris sa capitale, donc... Allez, je vais aller mettre une gifle aux états pontificaux. Tiens, du coup, il a détaché des hommes, Saluce, pour venir l'aider. Ah putain, putain, des séparatistes provençaux qui ont pété aussi. Ah oui, merde. Ouais, Par j'étais contre... éclaté. Tu fais le siège de la capitale de Salus, mais t'as pas assez de troupes par contre. Ah, attends, j'en ai mis à côté. C'était juste pour commencer un petit peu en fait. Hein. On va la Allez, je vais prendre le poursuivre. dernier territoire des États pontificaux. Ça devrait lui faire du bien. On va latter ses 15 derniers bateaux en passant. Bon, Allez, on va on le se choper en replie par là-bas. Franche-Comté du coup. 80 bateaux, bah c'était rentable cette guerre, je te remercie. J'ai capturé genre une dizaine de galères, 5 navires légers. C'est propre. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, je sais pas si ça servira à grand chose, mais j'envoie mes bateaux faire le blocus de Gênes. Bah non, bah voilà, ça s'est libéré, même pas besoin de s'emmerder. Du coup, j'envoie mes bateaux rentrer, hein, j'ai envie de dire, à Ouais, Londres. voilà, je vais choper les troupes qui ont plus de morale là, normalement. Voilà, ça va être la fin de Salus, je pense. Du coup, je suis en train de Et revenir à voilà, stack pied. wipe. Ouh, la violence.
t'occupes des rebelles ou j'y vais? Oh bah si tu veux les choper au passage. N'oublie pas d'enlever la marche forcée pour permettre à ton moral de revenir. Ouais, exact. Attrition maritime. Ah zut, mes bateaux tout neufs sont un peu endommagés, c'est ça que vous me dites. Oh, bah, écoutez, je fais le dernier siège là. Voilà, bah c'est bon, ça va être fini de toute façon. Bon alors, Napoli. Naples. Ouais bah il y a alors... pas grand chose Naples. Il n'y aurait pas de guerre, je sais pas quoi faire. Détournement du commerce, ouais vas-y, c'est pour ce que ça me sert. Alors, on passe le temps. Alors ici. L'agitation, ça va, ça s'est un peu stabilisé, ça gueule pas trop. Ici, ça donne quoi? 0-1, 0-1. Attends, parce qu'il faudrait peut-être que je donne des trucs à Gênes quand ça le concerne aussi. Alors, Occupé par machin accès, non? Occupé par Gênes. Occupé par Gênes. Occupé par Gênes. Et puis, bah, ça, c'est occupé par Gênes. Voilà. Alors maintenant on va aller voir Salus. On peut donner ça à Gênes, oui. Pour avoir une coalition contre nous. Autriche, Lorraine, Salus, Liège et les États pontificaux. Ah ouais mais écoute, c'est comme ça hein. Plus les réparations de guerre. Voilà. Ok, du coup je suis en exil. Oups, désolé. Oh non, bah c'est pas grave, tu géreras tes rebelles. Ouais, pas ouais, problème. On va faire ça. M'en fous, moi. Putain, l'Espagne, et... elle a envoyé 26 bateaux pour faire des pirates et il a foutu un commandant dessus, quoi. Ah, c'est dingue. Alors, ça ferait quoi comme coalition? Ouais, une bonne partie du Saint-Empire? L'Espagne? Ouf. Ah, l'Espagne, ça fait mal. l'Espagne dans la coalition, ça peut commencer à piquer. Bon, après, ouais, de toute façon, on va la déclencher, cette guerre, hein, donc... Oui, en soi, oui, mais... Bon bah du coup, on va commencer à améliorer un peu, peut-être. Ouais, mais bon, l'Espagne plus l'Autriche plus tout ça, ça pourrait faire très mal. Hein. Ah bah, ça va être la violence, hein. Je te dis pas le contraire, mais... Est-ce que je peux pas la faire durer un petit peu, la guerre, et essayer d'améliorer mes relations avec l'Espagne avant? Tu peux. Je pourrais tenter de faire tu ça. Peux, tu peux. En plus, je pourrais même lui donner de l'or. Il serait content, je pense, parce que vu la dette qu'il a. On va tenter ça. Il peut mal le prendre aussi, hein. Attention. Ah ouais? Ouais. De faire un don? Hey, on a atteint un nouveau niveau de professionnalisme. Où est notre flotte? Elle a coulé? Non, elle est là. Allez, détache les navires dépassés. Hop, on récupère nos 40 bateaux. Allez, en avant. Bah, ils sont où mes navires dépassés hein. What the fuck is that? Toi, t'es là. Toi, t'es ici aussi. D'accord, j'ai pas compris. Ah, d'accord. Ah, mes navires de transport sont dépassés, c'est pour ça. Très bien. Oui, non, ils s'en foutent, ça améliorerait même pas les relations. Ah si, mais faudrait donner beaucoup trop. Ah, on a terminé. On a l'Australie qui est arrivée. On va appeler ça... Gildia. Hop là. Gildia est à nous! Ah putain, le Portugal s'est posé de l'autre côté. Va chier. Ça va chier des bulles, hein. C'est moi qui vous le dis. Toi, tu reviens. Oh bah, ça, c'est à 10. Hop, bam, Portugal. Tu n'iras pas plus loin. On a réussi une mission. Qu'est-ce donc que ça? Mer australe, découvrir l'Inde, on a colonisé l'Australie, croissance coloniale générale plus 20, bah oui, bah carrément, oui.
Aucun problème. Ouais, rénover Oxbridge. Ah, j'avais oublié ce truc là. Fallait que je fasse des universités à Oxford et à Bedfordshire. J'avais complètement zappé. Bon, on va s'occuper de ça après. Je peux enlever la pause, c'est bon pour toi? Tu peux enlever la pause, ouais, je suis en train de regarder. Au pire, j'agrandis que Gênes et puis. J'essaie de regarder pour faire en sorte que l'Espagne ne rentre pas dans le truc. Bon, je vais attendre un peu, je continue d'améliorer les relations avec eux. Ça te gêne pas. Au pire, ouais, tu le fais, puis tu leur enverras un diplomate les draguer le temps qu'ils terminent leur guerre. Ouais, au pire. Au pire aussi, je peux faire ça. Alors ici, il va nous falloir un peu plus de bateaux de transport aussi. On va regarder un peu ce qu'on a au pays. Alors, on a... Hop. En termes de flotte de transport. Je vais adopter l'institution pour 2289 pièces d'or. Je vais peut-être le faire. Ça pique un peu. Ouais, mais bon, j'ai beaucoup de sous, alors... Je suis à 5000. En soi, bon. Alors, niveau bateau de transport, on en a 33. Ouais, c'est pas fou. Pointez-vous là, vous vous réparez. Ah putain, on a des vaisseaux légers aussi ici. Allez, c'est parti. Tiens, ici il faut convertir, c'est parti. Convertissons, convertissons. Non, mais au pire, je vais juste agrandir Gênes pour cette fois. Et puis, si l'Espagne serait quand même un peu. Ouais. Je crois que je prends tout, ça vaut le coup. Bah écoute, franchement. Bah, tout je peux pas de toute façon, mais. Allez, vous allez vous occuper des pirates. Voilà. Parce que l'Espagne. Ok, alors je vais leur prendre ça. Putain, ils ont pas de thunes, les états pontificaux. Ah, si, un peu quand même. Ça va, un petit peu. Bon, bah, c'est parti. Attention, ça va piquer. Victoire éternelle. Propre. Ah, on peut mettre une proposition de loi. Alors, attends. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, plus un colon, pas mal, plus un marchand, on s'en fout, droit de douane, on s'en fout. Coup des conseillers, bah le colon les gens, voilà, parfait. On claque 9 points admin. Tout ce qu'on peut faire c'est ça. Ah non, j'ai peur. Accorder des titres, 2 en légitimité, c'est bon, on prend. Boum, un colon. C'est parti pour l'Indonésie. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ici, c'est pas mal ici. Hop là, on est parti. Alors, toi, tu glandes, tu vas t'occuper de la Manche. Toi, tu glandes, tu vas t'occuper de la Manche. Vous glandez pas. On a 4 sur 4 commandants, pas de soucis. Vous, il faut vous améliorer. C'est parti, mon kiki. Purée. Il n'y a plus que toi que je peux rivaliser entre les pays. Ah ouais, bah un classique, ouais. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, pas de surprise. Ah non. Hop, hop. Bon. Du coup, il est l'heure d'arrêter l'épisode. Bon. Eh ben, du coup, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite pour la suite. Et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.